En ce dimanche 15 mars 2015, il est 7h30 et vous regardez Star TV Le Mag, 19e numéro. Et aujourd'hui, vous allez découvrir ou redécouvrir les meilleurs moments de notre émission. C'est parti! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 19e numéro de Star TV Le Mag en ce dimanche 15 mars 2015. Vous allez découvrir ou redécouvrir les meilleurs moments de l'émission. Et la semaine prochaine, je vous rappelle que la blague du samedi sera aux commandes d'Alex. Vous êtes prêts? Moi je le suis. Alors c'est parti pour le meilleur de Star TV Le Mag. Star TV Le Mag vous a fait découvrir plusieurs informations, des certaines officielles ou non, et pourtant aujourd'hui on va tous vous les faire redécouvrir ou même découvrir si vous n'aviez pas regardé les précédents numéros. Voici le meilleur de l'actualité du Mag. Jeudi 30 janvier, Riz faisait son retour sur TF1. La série était suivie par 5,5 millions de téléspectateurs. Juste avant, Canteloup attirait 7,9 millions de téléspectateurs. TF1 était également leader en access prime time grâce aux 2,9 millions de fidèles pour Une Famille en Or et 5 millions pour Money Drop. Hashtag Morandini est un flop. Après seulement 10 émissions, Energy 12 a décidé d'arrêter l'émission pour faute d'audience. Touche pas à mon poste est un top. En seulement 5 émissions, les audiences arrivaient presque au million de téléspectateurs. La Colo pourrait revenir avec une troisième saison l'année prochaine. Reportage. Comme les audiences de Vive la Colo sur la Une et TF1 sont élevées, une troisième saison pourrait revenir l'année prochaine. Nous n'avons choisi que trois extraits pour le meilleur de l'actu, mais bien sûr, vous pouvez retrouver tous nos mags sur YouTube, sur Star TV la chaîne et Star TV la chaîne YT. On vous a fait découvrir des images du mag, d'autres choses également, des interviews et beaucoup d'autres. Voici donc le meilleur de Star TV Le Mag avec les images du mag. Nous sommes le samedi 6 septembre 2014 et vous regardez la blague du samedi. Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour cette troisième saison riche en nouveautés de la blague du samedi. Je suis Bonjour Dédé. Bonjour. Vous êtes créateur du jeu Rock City Gang 1, mais une question pour ceux qui ne connaissent pas. Quand a été créé le jeu? Le jeu a été créé en janvier 2013. Pourquoi avez-vous eu l'idée de créer ce jeu? J'ai eu l'idée de faire ce jeu pour faire un jeu virtuel, pour plaisir. Et dernière question, avez-vous autre chose à ajouter? J'essaierai de recruter le maximum de membres. On retrouve Adrien et Jonathan en duplex de leur studio. Tout d'abord, bonjour à vous deux. Bonjour à tous. Donc nous allons commencer avec la première question qui est, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer ces personnages? Alors, qu'est-ce qui nous a donné l'idée de créer ces personnages? On avait fait un sketch lors d'un anniversaire et ça a plu aux gens. Donc du coup, ça nous a donné l'idée de se lancer dedans. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation et pourquoi pas devenir mini-série pour Star TV? Pourquoi pas devenir mini-série pour Star TV? Dans l'avenir, pourquoi pas. Ouais. Très bien, et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Dans quelques secondes, nouvelle question inédite, vous pourrez répondre par mail à startv@hotmail.fr. Le Media Mix, version coulisses, best-of, métier et plein d'autres, regardez. Même pour le meilleur moment, on vous propose une séquence inédite, place à une nouvelle question du mag, la voici.
Vous aurez 2 semaines pour répondre à cette nouvelle question du mag. La voici. Comment s'appelle le jeu et la web radio de Star TV Le Groupe? Réponse A, City Star. Réponse B, Star City. Vous avez 2 semaines pour répondre. Nom du gagnant prochainement sur notre site internet. Merci à vous d'avoir suivi ce 19e numéro. La semaine prochaine, Alex vous accompagnera pour la blague du samedi. Le samedi 28 mars également, ce sera Alex. Tandis que moi, je vous retrouve au mois d'avril pour le retour de Star TV Le Mag avec le 20e numéro et également pour reprendre la blague du samedi, ben, comme d'habitude. Je vous souhaite de passer un bon fin de mois de mars et bonne fin de journée, de semaine à tous. Et très bonne semaine, rendez-vous la semaine prochaine dans la blague du samedi, ce sera Alex qui sera avec vous. Merci de votre fidélité, au revoir.